Et on est reparti pour plus de War Tales. On continue notre petite aventure. Je regarde si tout est bon. Ok, tout est bon. On continue. Donc, je suis allé regarder. La dernière fois, on a fait des rats. Mais on est grave chargé, en fait, avec des rats et tout ça. C'est parce que aussi on garde 15 carcasses pour pouvoir faire la potion qui fait réapparaître les rats. Donc, ça, c'est pas mal aussi pour farmer. Et il faut du miel. Et le miel, on le récupère donc c'est à l'ouest, les gens ont dit. Donc c'est bien à Corsia en fait. Donc voilà. On va partir à Corsia. Ouais, on va partir à Corsia avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parce que sinon on va être trop lourd, ça va être trop chiant. Là, faut vraiment qu'on baisse notre poids. En plus, le problème qu'on a, c'est que... le problème qu'on a, c'est que... On perd en vitesse aussi, parce qu'on a plein d'animaux, nous. Et le fait de ne pas pouvoir utiliser tous les fers à cheval, c'est un peu relou. Tiens, on va prendre ça. J'étais en train de me dire, est-ce que l'ours, il est bien? J'ai vu des screenshots des gens qui mettent tout l'ours en combat. Nous, on l'a pas mis complètement en combat. C'est éviter des buts dans le coin et la galvanisation. Ouais, non, mais c'est pas intéressant. Non, au final, non, je suis content. Non, c'est pas intéressant d'avoir galvanisation, en fait, dans la forêt. Parce que galvanisation, c'est pas difficile à avoir. Hein. À moins qu'il y ait quelque chose de spécial, c'est pas difficile. On va regarder à Stormcap, mais ça m'étonnerait. Je voudrais bien prendre des trucs en plus, genre du mouton et tout ça, mais... À part nous surcharger pour le moment, on va pas faire grand-chose. Non, faut résister à l'envie. Faut résister à l'envie. Alors, un truc qu'on va faire par contre. Ah, regardez déjà ça. Il y a juste des mecs à tuer. Alors là, il demande 5. Il y a des choses comme ça aussi qui sont apparemment difficiles. Je voudrais bien les prendre pour pouvoir aller voyager. Parce qu'apparemment, c'est un clan. Là. Vous voyez? Bon, là, après, c'est tuer. Par contre, il y a ça de l'ambre à Corsia. L'ambre, c'est ici que ça se vend. On est d'accord? L'ambre, ok. Si on le vole. Ça peut être pas mal. Attends, fais voir. Hop. Ça peut être pas mal. Ça peut... Ah putain, mais non, attends, c'est 5 lins. Mais je vais galérer là. 5 lins. Attends. Attends. Ça peut-être le faire. Ça devrait le faire. Bon, te loupe pas. 102. Putain! Ça fait chier, quoi. Le pire, c'est qu'on est moins rapide, là. Ah, ça fait chier. Parce que là, c'est très bon pour se faire de l'argent. Là. Voilà, c'est ce que je dis.
Ah, mais il faut le blanchir aussi. Quel con, ça va mettre 3 plombes. Oh là là. Non, en fait, j'ai fait de la merde. Il faut le blanchir aussi. Ah, la blague. Ah, aïe aïe aïe. La blague, lol. Drôle, 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 drôle. Oh. Putain. Quel débile. Alors, on est recherché, il faut blanchir le truc, quoi. Super. Voir le poids. On va rester comme ça. J'avais oublié ce détail, qu'il faut blanchir le machin. C'était la guerre des 30. Ah putain, en plus si on est en ligne droite, on va tomber sur des gardes. C'est obligé, on tombe toujours sur des gardes. Là on a les cordes si jamais. C'est pas du givrassier ça? Je crois que ça en est. Je t'en supplie, fais en sorte de des ventes augmentées. De blanchir le truc rapidement. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment bienvenue. Et je peux strictement rien faire, quoi, c'est ouf. Qu'est-ce qui manque? Bah, il manque tout, quoi. C'est bien. Manque tous les ingrédients principaux, en fait. C'est cool. Quelle merde. Allez, blanchis-moi ça, je t'en supplie. À cœur, vas-y. Tu me fais chier à cœur. Genre, blanchis les choses plus vite. Je te demande pas tant, quoi. Ah, qu'est-ce que tu veux, Kera Trade? T'es content? Je n'ai jamais rien vu d'aussi dégueulasse d'un hydra. Cette pourriture partout, j'ai l'impression de sentir encore l'odeur. Alors, vomir, non. Désespéré. Oh, super. Prière, non. Phobie des rats. Faire promettre au gros ne pas y retourner si tôt. Ouais, non. Le trait désespéré, non. Je crois que c'est moins. Oh, c'est pas celui-là qui fait de la volonté en moi? Le statut phobie des rats. Ouais, on va pas y retourner si tôt, t'inquiète. Repos restant 2. Cette unité quittera la troupe si elle combat dans une tanière de rats. Ah ouais, carrément. Ah, c'est violent. Ah ouais. Bon, bah non. Bon, bah voilà. Au moins, on sait qu'on va pas y retourner de sitôt. Non, putain. Le mec, quoi. Putain. Ah les gars, je sais que vous me payez un max et tout, et que c'est cool, mais si jamais on retourne voir des rats, je pars. Définitivement.
Bienvenue à Corsia. Bon bah du coup on va se balader, hein. Ça va être l'épisode où on comble. Et vous savez, c'est un filler. L'épisode filler. Parce que je peux pas vendre. Il n'y a même pas de, de miel ici. Je peux pas vendre l'ambre. Je peux pas faire les rats, parce que l'autre il va partir sinon. Qu'est-ce qu'on a? On peut tuer des trucs, hein, vite fait. Hein. De toute façon, il nous faut de l'argent. Il nous faut absolument de l'argent. Il faut absolument de l'argent ici, parce que là, sinon on va être dans la merde. Là, je peux faire qu'une paye. Je peux faire seulement qu'une paye. Et il nous faut du miel aussi. Et du coup, on va devoir blanchir l'ambre. Donc, le miel, apparemment, ils disent que c'est ici, sur Internet. Yes, c'est ça. Donc, c'est bien à l'ouest. Après, il y avait des gemmes aussi. Les gemmes, ça va être un truc de fou. De les. Ouais. Puis en plus, il faut les. Faut les blanchir. On a combien de cerveaux? On en a 3. Augmenter la dex. Chaque fois une compétence inflige des dégâts, 30% d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Ça aussi, ça a l'air assez pété. On peut peut-être acheter les deux. Avec des cerveaux, là. Remettre contre la peste. J'ai envie quand même de les soigner, en fait, mes rats. Parce que ça m'énerve, en fait, ce bout rouge, là. Le bout rouge m'énerve. Donc, Non. Parce que j'allais acheter les 3, mais on a 550. Non. Oula. Oula. Par contre, il y a une torche. Ah, ok, c'est 2 torches, faut les virer. Ok, donc ça, fait voir. On prend ça. Donc, il y a des huiles qui sont intéressantes. Je crois que c'est compétence d'infliger des dégâts, 30% de chance d'appliquer brûlure. Après, il y avait quoi? Chance d'augmenter à dex en 3 tours. Peut-être pas mal, ça. Après, il y a un truc, c'est... Lulacine, non. Saignement. Ça. J'avoue, un compétent inflige des dégâts à 30% chance d'appliquer un statut infligeant des dégâts égaux à 50% de l'attaque. Je comprends pas trop. Genre, si on fait 100 de dégâts, par exemple, on a 30% de chance de faire 50 de dégâts de plus. C'est ça? Alors, ça peut être pas mal, peut-être, sur un truc qui touche plusieurs fois. Qui peut toucher plusieurs cibles. Je me dis... Je pensais peut-être à l'arc de War. Après, on pourrait lui mettre le truc qui augmente la chance de l'activer. Ah, ça peut être vraiment pas mal en dégâts, en fait. Ah. Quelqu'un qui fait beaucoup d'AOE. On a Wit, on a War qui fait des AOE. Après, on peut même le mettre sur la dague de hacker. Hein. Celui fait déjà des dégâts énormes. Donc là, ça sera encore des dégâts plus énormes. Ça, c'est intéressant.
Ça m'intéresse. Infectieuse. Mélange dégoûtant, véritable bouillon de culture, microbien, infecte rapidement les blessures causées par l'arme à laquelle il est appliqué, pardon. Ça m'intéresse. Alors après, oui, chaque fois qu'une truc s'active, alors peut-être que. Alors Kalaska, parce qu'elle a plein d'habilités. Peut-être, je sais pas. Il faudrait quelqu'un en fait qui spamme des habilités, je pense. Ou alors qu'il fasse Zao Wartingo. Bon, elle a que un tir en fait. Elle a que le tir. Hacker, il a plusieurs habilités. Donc à la limite, c'est peut-être mieux sur lui. Bon, il fait déjà des dégâts de fou, hein. Donc là, c'est vraiment. Enfin, yeah. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, après le one shot, qu'est-ce qu'on fait? On vaporiser en un claquement de doigts, comme Castiel. C'est chaud, quoi. Taurus, mais je vais pas mettre ça sur une arme normale. Orlin non plus. Là, comme arme, il reste qui? Ah, tiens, t'es enfin 6 toi aussi. T'es enfin 6. Elle est où l'épée? Elle est là. Voilà. T'es enfin 6. Il faut virer ça. On va la vendre. Tiens, on va la vendre maintenant avant que j'oublie. Faut que je réfléchisse 2 secondes là, parce que. Classica, ça ferait 1, 2, 3. Parce que ça fait beaucoup d'habits. Parce que en fait, c'est à chaque fois qu'on attaque, en gros. Je me demande, est-ce que ça va se déclencher sur la riposte? Ça m'étonnerait, ça, par contre. Will, on a quoi? On a l'essence de pestiféré. Ouais, c'est vrai que je l'ai mis, mais bon, enfin, au final, c'était pas très très utile. Hein. Je vais être honnête. C'était pas vraiment utile. Mais c'est pas grave. Bah, à la limite, la flèche perforante pour bomber un peu les dégâts. Je dirais. Ça sert à rien de rendre encore une personne puissante qu'elle est déjà, quoi. Renforcement, promptitude, c'est quoi? Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, à 30%, je tente d'augmenter la dex. Ça, c'est bien parce que ça augmente aussi les dégâts critiques, la chance de critique aussi. On va faire ça. Après, il nous faut. Naissance de Vierge. Et on veut. Infectieuse. Qu'on voit un peu les dégâts. Qu'on teste un peu. Alors, hacker, tu vas te prendre. Sont où les potions? Alors, la Dex. Que plus la Dex, plus bah plus il fait mal déjà de 1, hein, mais aussi ça augmente ses critiques, donc c'est bien. Et après ça sera sur infectieuse. Voilà, en théorie, donc bah ça devrait faire des dégâts supplémentaires, 30% de chance. Et si vraiment c'est très très pété, au lieu de mettre 10% là des tirs, on lui met. On lui met ça. L'huile de force a 30% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets. Donc ça serait 60%. C'est plus qu'un tir sur deux, quoi. Enfin, une chance sur deux. Donc, c'est pas mal. Bon. En parlant de potions, nous, il nous faut encore 3 miels.
On va aller tuer des connards. Ils sont là. Il faut de l'argent. Ça va vite. Là, ouais, là, on est un peu en mode farm parce qu'on a vraiment plus d'argent. Encore une fois, c'est pour ça que faut jouer en zoné. Parce qu'en libre, ça va être horrible. Genre, tous les mecs sont toujours du même niveau. Après, bon, j'imagine que c'est pas exactement comme ça, mais je pense qu'ils sont toujours plus ou moins challenge. Donc, mais laissez tomber quoi. Vous mettez 3 heures à tuer les trucs tout le temps, c'est bon quoi. Moi, je veux pouvoir défoncer des mecs là. Alors, tiens, on va tester directement War. On va se mettre là. On peut voir un peu. L'huile infectieuse. Ouais, il y a tellement de trucs, j'ai pas trop vu. Oh putain, attends, c'est quoi ça? L'huile infectieuse. Perd 1 de santé à la fin de son tour. Ah, c'est ça! Ah! Ok. Ben, j'ai envie de dire que c'est pas mal en fait. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Trente-quatre. 42, ça c'est si elle brûle. Donc du coup, si je fais ça, je pourrais même se le balancer dessus, hein, honnêtement. Ça fait un dégât, c'est nul. Bah, maintenant, on fait du 38. Ce coup est critique. À peine 38. Pourquoi 38? C'est pas beaucoup. Hein. Ah, c'est pas beaucoup, je trouve. Je sais pas pourquoi j'utilise autant de points. Ça sert à rien. Bah du coup, je pensais pas du tout que ça marchait comme ça, le truc infectieux. Le truc infectieux, en gros, c'est comme le boss qu'on avait combattu. Oui, nous mettait des... avec la hache, là. Du coup, la hache niveau 10, c'est ce qu'elle fera. Elle mettra des sortes de dots, là. Bah, c'est pas mal. Après, je vais être honnête... À la limite, le mieux, c'est de le mettre sur Hacker, parce que Hacker, il va directement mettre beaucoup plus de dodge, je crois. Je sais pas sur quoi c'est basé. C'est 50%, je crois, du dégât. C'est pour ça qu'elle en fait 20. Elle en fait 20 parce que on a fait quoi? On a fait... Non, elle a fait 60 de dégâts, je crois. Je sais pas. Y a quoi au château? Vous vendez pas du miel, vous? Non. Donc... Si vous croyez que la guerre change quoi que ce soit à l'ambiance du château, vous trompez.
Ça marche. Est-ce que c'est un chemin? Ah oui, c'est un chemin qui est impraticable, je crois. Ouais. Je sais pas si ça viendra après, plus tard. Ou pas, mais ouais. Par contre, la nourriture, on n'a pas tellement en fait. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment tuer un cochon. J'arrive pas à voir les ennemis avec, avec nos buffs, nos debuffs. Ah, j'aime bien ce truc, moi. Ah merde, il est dans la brume. Il doit être là. Ouais. Casse couille quoi. Oh, t'as choisi la mauvaise cible. Ouais, non, mais tout simplement, il one-shot. Hein. Faut voir l'huile, je dois bien que l'huile s'active en fait. C'est embêtant. J'aurais bien voulu que l'huile s'active. Ah putain, c'est encore un mec que je vois pas. Et on est bon. Pour la bouffe.
Ah ouais, non, là on est dans la merde. Ah, attends. Ah, je peux faire ça. Ah non, 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 je peux pas. Non, non, on est venu pour manger. Pour récupérer du miel. Chier. Après, c'est pas très rare tout ça. C'est juste que ça prend du temps à les récupérer. Surtout ça, en fait. Il faut de la viande parce que les autres ils sont carnivores. Oh la vache. Ah ben voilà, là ça nous fout dans la merde. Ah oui, non, là oui, là j'avoue. Ça va, on se débrouille, on se débrouille. 6, le jour où ça nous fout dans la merde, on les soigne. Ok, très bien. Là pour le moment, on n'a pas. Gestra, t'as qu'à. Voilà, t'as qu'à te mettre. Avec les autres. Toi, tu fais toujours de la viande séchée. Nickel. Nous, on fait toujours du cidre. Parce qu'on aime l'alcool. Yes. Blanchis-moi ça. Ça nous fait quoi? 500, je crois. Puis il va lâcher, racheter plus cher encore. Ouh, on a une nouvelle épée. C'est une épée ou c'est une dague? C'est une dague. Yes, ça par contre, ça c'est cool parce que là, ça nous fait. Je crois qu'il reprend plus que 100 lin, hein, honnêtement. Donc, ça va être cool. On a aussi un nouveau livre. On va pas. Tioca du train. Non, on va faire ça. Ça nous fait de l'argent. Alors, fais-moi rêver. Voir un peu la dague. Alors, dague de B. Edith. Ah, c'est le mec. La statue, je crois. Les anciens ont imaginé cette dague à partir des textes relatant l'histoire de Béédith. Il n'y a aucune chance que cette arme lui ait appartenu. Ah, ok. Dex 16, donc c'est niveau 4, ça faut l'augmenter. Donc lame toxique. Qu'on dégâts à cible, consomme tous les poisons appliqués pour augmenter les dégâts. Ah, mais c'est la même, c'est exactement la même du coup. Je pensais au début que ça allait être la même, mais j'étais pas sûr. Vipère, lame toxique. Donc ça, c'était une récompense de quoi? De la reine. Et là, on a la même chose. Oh, mais je suis un peu... Ouais, ça c'est bête, quoi. C'est bête. C'est bête. Enfin, c'est... Ouais, non, c'est un peu bête. C'est le même skin ou pas? Pas vraiment. Non, c'est pas le même skin. Après, c'est des bonnes armes, hein. C'est des bonnes armes. Du coup, elle va faire un peu plus de dégâts. Elle va pouvoir attaquer en fait ce qu'elle empoisonne et tout ça. Ouais. Ouais, c'est... Oui. Ouais, je suis un tout petit peu déçu quand même. J'aurais bien voulu que ça soit une... Bah, une arme différente, quoi. Mais bon. Tout demander. Là, il y a des trucs. Peut pas trop demander, quoi. C'est pas grave. Ah oui, là, c'est le gosse qui avait bouffé ses... Ouais, qui avait bouffé ses parents là. Parce qu'ils mouraient de faim tous. Là, on va les laisser, on n'a pas le temps. On va retourner à Corsia. Attends. Oui, Corsia, c'est à droite. Faire attention, il est toujours recherché. On prenne de la nourriture hein, pour vendre les choses chères, je crois. Donc ça c'est cool. 70 là. Bon bah d'accord, je pensais que ça allait être plus. Mais... Bon bah voilà, on se fait 350, très bien. Et on a baissé en poids, c'est bien.
Super. 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 On va peut-être s'arrêter là. Très bien. On est remonté à 1200 là d'un coup. Et on a 700 de prime. Voilà, là c'est bien. Là ça va. Presse des épices et des fourrures. Donc il nous refaut... Alors on peut recommencer à récupérer un peu plus de bouffe là. De nourriture. Ah, on peut peut-être... Oui, on peut se faire un porc aussi. Enfin, un sanglier. Ah, parfait. Oh, bah je crois... Bah c'est bon. C'est bon. On va pas faire un remède. Alors, Apara. Verser sur un nid de rat, cette huile permet de le reconstituer en 8 heures. Mais qui voudrait faire cela? Bah des gens qui veulent farmer. Yes, Apara. Nickel. Ça, on va le garder précieusement. Touch. 79 hein, pour le revendre. Voilà, ça coûte cher, c'est bien. Ah, il coûte 5 il pèse 5. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je pensais que ça allait être 0,1, quoi. Ou 0,5, à la limite. Mais l'appât en lui-même, il a 5. Putain. Ah ouais, non, c'est un peu beaucoup, là, quand même. Bah merde, bah du coup j'ai pas vraiment envie de le garder en fait. Ah oui non, je vais être honnête, ça donne pas envie de le garder. Je pensais honnêtement, je pensais que ça valait genre ouais 0,02, 0,5 ou grand pire. Mais là... Merde. On est aussi lourd encore. Ah oui, non, l'équipement, quoi. Ah. Ah. Ah bah là, ça me fait chier. On va vendre deux chaînes. Oh, le poids. Ça, il faut vraiment voir ce qu'on peut en faire du cuir pestiféré. Déjà, ça m'emmerde aussi de l'en avoir plein et de rien en faire. Là, c'est très très chiant quand même. Tissu, on en a plein aussi. On verra ça. On va garder une centaine. Là c'est 0,5. Des échantillons, donc c'est pas trop lourd. Ah, bouclier c'est 4 quand même. Hein. Je pensais pas. Bouclier, c'est 4. On le garde pourquoi le bouclier au passage? Peut-être c'est pour Clark, ça, c'est ça? Ouais, je crois que c'est pour elle. Bon, on a 686. Bon, je suis un peu déçu.
J'avoue être un tout petit peu déçu en fait. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi lourd. Donc du coup ça, bah, ça casse un peu mon le truc que j'avais en tête. Alors, le sel. On a beaucoup du sel ou pas? Oui, ou là oui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on peut pas aller faire les rats, sinon l'autre il va partir. Faut, je crois qu'il faut encore se reposer au moins une fois. On peut aller faire ça. Là, les souvenirs enfouis. On peut aller voir ce que c'est. Ah, ça c'est de la vitesse. Ça c'est mieux quand même. Ah oui, ça fait plaisir. Ah oui, il y avait la chasse aussi. Putain, je sais pas dans quel sens ça va. Ah bah non, mais c'est le cadavre là. Ça, notre quête? Ouais. C'est pas mal ici, Arthès, là. L'ambiance est cool. Un peu sombre en fait. Un peu lugubre. J'entends des gens marcher. Ils sont neufs. Se mettre là. Papa. Bonjour. Est-ce que vous voulez partir? Honnêtement, je vous conseille de partir. Ouais, du coup, elle peut faire un peu plus de dégâts. Hein. Genre là, tu le one shot le truc, non? Ah, presque. C'est bête. Ah, elle peut faire ça par contre. Je sais pas si c'est... Ouais, non, pour la dague, ouais, je sais pas trop. Très bien. Mais bon, comme j'ai dit, je suis un peu triste que la dague ce soit exactement la même. Elle a la même habilité. Bon, les mecs, vous voulez pas partir?
Oh putain. Merci. Ouh. Niveau 4. Non, ça. Oula. Alors, c'était quoi? Ah, clé ouvragée. Putain, il faut plein de clés ouvragées, c'est ouf quand même, hein. Je sais pas, moi, où on en trouve autant des clés ouvragées. Parce qu'il y a, ce qu'il y a moyen d'en trouver, d'en acheter. Parce que là, plusieurs endroits comme ça. Camp de la Légion? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah si, je me rappelle. Oui, il y a juste des mecs qui parlent. Oui, les chevaux. Les chevaux. Alors, nouveau compagnon ou soupe de poney? Ils sont marrants. Poney niveau 5. Après, on pourra encore prendre d'autres hein, de poney. Mais je crois que ça deviendrait absurde, non? Non, en fait, faut que nos poneys soient niveau 8. Déjà, ça va grave nous aider. Par contre, je voudrais bien refaire le... La chasse là. Comment c'était où? Ah, il est là-bas le corps. Ça, oui, je veux bien le faire. Mais je crois qu'il faut le faire la nuit, ça. Tiens, parlons de poney. C'est moi, niveau 8, ils vont avoir tous 5 de plus. Ça pourrait être bien. Pourrait nous aider. Après, comme j'ai dit, plus on a de poney, bon, plus on peut transporter, évidemment, mais aussi, plus on peut mettre de fer à cheval. Et oui. Oui, et oui, et oui. Et oui, il y a ça aussi. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, on jongle entre les deux, là, parce qu'on a encore... trop de choses hein, comme d'habitude hein. C'est, ça devient une manie. Ça devient vraiment une manie d'avoir trop de choses sur nous. Je peux rien faire du tout, c'est ouf quoi. J'ai pas assez de... Ça va devenir une manie, là. Oh, la vache. En fait, catastrophique. Okay, très bien. Nickel. Ça devient problématique. L'auge vide. Ah oui, c'est là où il y a le cheval, là. On va pêcher. Mais je crois que le prochain repas, là, on va devoir faire un sanglier. On va se débrouiller pour le poids. Après, on va encore remettre des sacoches.
Mais j'ai limite, ouais, envie de reprendre encore un poney en plus. Ça fait beaucoup. Mais comme j'ai dit, le matériel. Le matériel, le matos. Maintenant, on sait faire les remèdes, on sait ce qu'il nous faut, donc à la limite, c'est pas très grave. Ah, c'est la nuit. Go faire ça. Ça m'intéresse. Ah, putain, t'es sérieux? Attends. C'est bon? Ok, ça doit être... Tac, surprise! La meute fantôme, c'est eux! Let's go! Parce que les chasseurs, là, ils nous donnent toujours des super récompenses, hein, au passage. Ouais, merci. Ouais, là c'est la meute, c'est pas le combat normal. Très bien. Attends, il y a quelqu'un qui peut me faire un bon carton là par contre. Elle est où, War? Elle est là. Nickel. Je vais me faire un carton. Will, je vais me faire un carton comme d'hab. Wit, ici. Mene. Taurus. Ça va. Regarde-moi ça. Hop là. Let's go. Alors, il est ouf. Neige. Bien. Oh, on va ressortir avec plein de bouffe, plein de trucs de loup et tout ça. Eh bien, on va pas pouvoir bouger encore une fois. Ça va être cool. Très bien. Désengage. Voilà. Non, non. On est là pour tuer. Bien. Catastrophe, ces dégâts, c'est ouf quoi. Ça. On a pu le tuer nous-mêmes en plus. Hein.
On aurait pu le tuer nous-mêmes. Voilà, c'est ce que je pensais. Okay, très bien. Track terminé. Alors. Ils étaient camp de la Légion. Non, me dis pas qu'ils sont super loin. Oh la vache. Oh. Oh mon dieu. Comment ils sont loin. Ancien poste douanier. C'est pas là qu'il y a du marché noir ? Non. Alors... On va galérer. Enfin, on va galérer. Non, on va pas galérer, mais... Puisque c'est un peu loin. Comme d'habitude. Alors. Là, on s'est refait un peu d'argent, c'est bien. Du coup, ça... On vend. Le problème en fait avec le remède des rats, bah, par le poids, hein, Dosa, c'est que en fait, pour récupérer des rats, c'est chiant. Enfin, c'est pas partout qu'on trouve des rats. Genre, si c'est des cadavres humains, il n'y a pas de problème. Des cadavres humains, il y en a partout. Mais des rats, c'est... ça court pas les rues au final. Bon, après, c'est vrai qu'on peut en acheter. J'avoue qu'on peut en acheter quand même. Des fois. Bon, c'est peut-être pas si rare que ça, au final. Ah, ok, cool. Parce que dans ma tête, je me suis dit... si jamais on fait un camp, en fait, il faudrait faire un remède directement après. Parce qu'on va avoir plein de rats. Mais au final, c'est vrai que, bon, les rats, on peut même en acheter. Des fois, ils en vendent. Donc, bon, c'est pas non plus extrêmement rare non plus. Pas exagéré. Ça, c'est ça contre... Ah non, ça, c'est la ressource. Ah, et saucisse. Les saucisses. Ça, c'est pas des saucisses de Strasbourg, par contre, hein, putain. Ouais. Un peu la merde. Mais non. Ah ! Septel, oui. Ah oui, mais on avait dit qu'on faisait un truc. On le fait ou pas ? Parce que là, je balance beaucoup de... Mais je balance beaucoup de trucs en fait. Vas-y, fais voir. 49, très bien. Oh mon dieu, le poids. Oh mon dieu, le poids. Voilà, ragoût de porc. 24.
Ah, il est devenu confirmé, rien qu'avec ça. Tiens, il peut même faire ça maintenant. Cool, très bien. Ben voilà, en plus il a pris un niveau et tout, quoi, Neige. Du coup, il a plus de constitution. Ah, ça va vite la bouffe, hein? On a déjà deux qui sont champions. Enfin, pas champions. Je sais pas quoi. Non. On n'a pas des petits trucs? Ici, là. Voilà. Solde à verser. Solde qui est super cher. Ah, qu'est-ce que tu veux, Kirik? Alors, Géru, c'est que je veux abandonner personne, mais être recherché par la garde, c'est grave. Oh là là! Reste vigilant. Mais on n'est même plus recherché en plus. Tu dis Nawak. Tu dis Nawak. On n'est même plus recherché. C'est toi qui dis Nawak. Voilà. Enfin, encore heureux que l'argent, hein, ça pèse rien. Putain. Aïe, aïe, aïe. Bon, on peut faire un autre Nidra. Histoire de... d'être plein, encore une fois. Et que je me plaigne pendant tout le long. Alors, on va d'abord récupérer notre récompense. Quand misérable. Ah oui, c'était pas les gens qui avaient peur du cheval noir là. Mais votre cheval noir, on l'a jamais vu. Hein. On a toujours pas vu votre cheval noir. Hein. Il n'existe pas. Ah, c'est là. Je crois. Le marché noir. Yes! Attends, on va prendre le bois. Là, on peut se permettre, on a un tout petit peu d'argent. Alors, nous, on veut provocation. On peut peut-être prendre un petit courroux vite fait. Putain, voilà. Je voulais en prendre un seul. J'en prends deux, comme d'habitude. Alors, Will, provocation. Très bien. Tu vas faire mal. Un petit courroux sur. Sur lui, barbare. Un petit courroux sur le barbare. Le barbare, j'aime bien pour le moment. Il n'y a pas encore la puissance et tout ça. Mais ça va venir, je crois. Enfin, je pense. J'en sais rien, en fait, si ça fonctionne bien. Ce qu'on essaye de faire, mais... Je sais pas. Pas... Au moins, on essaye de faire quelque chose. Alors, bonjour. Vous avez tout mon respect et mon admiration, mercenaire. C'est un honneur de vous remettre les plans de ce renfort. Renfort du faucon. Alors, c'est quoi? Critique 2 et Dex 2. Ouh, c'est vachement bien ça aussi. Critique et Dex. Vraiment bien, vraiment bien. Alors, le réconfort paysan. Dégâts infligés aux animaux augmentés de 20%, c'est quoi? Ah oui, l'huile d'essence animale.
C'est pas mal ça aussi. Renfort du barde. On a combien de 288. Infliger des dégâts aux animaux, c'est intéressant, mais je pense qu'on va prendre ah, le porridge, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait souvent. Le renfort du barde, ça m'intéresse aussi. Je sais pas ce que c'est. Le porridge. Porridge. Ouais, c'est le blé, blé, lait. Blé, lait, miel. Ouais, non, mais. Non. C'est vraiment pas quelque chose qui court les rues, quoi. Après, les animaux, oui, ça peut être intéressant. On va prendre le renfort. Critique 3. C'est vachement bien. Vachement bien ça. Bon. On a fait ça, c'est bien. Centre d'entraînement de la fraternité. Bon, le cheval noir, j'en sais strictement rien où il est, le cheval noir. Je sais pas si c'est encore des esprits ou pas, ça m'étonnerait. La loge vide, j'en sais strictement rien non plus. Peut-être ça, hein. Mais bon, ça m'étonnerait, hein. Ah, c'est juste une meute fantôme, hein. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Ouais, non, là, c'est une meute normale avec des renforts et tout. Fais chier. Après, ils sont pas très durs, hein, mais... Je pense qu'on peut tous les tuer avant que les renforts arrivent. Après, est-ce qu'il faut pas que les renforts, genre leur cheval noir, est-ce que ce serait pas genre le cauchemar? Ah merde, on n'a pas galvanisation, fait chier. La musique qui se calme direct. Ah, ça fait moins peur hein, qu'on les défonce tous. Ah bah ouais. Tu veux rire? Et on va te faire rire. Oh merde. Ah non, ça va, on rigole.
Très bien. Pas mal. Je vais pas attendre les renforts parce que ça me ça m'intéresse pas. De toute façon, si c'était un truc spécial, je sais pas, il se passerait quelque chose dès le début. Genre comme la meute. Mais là, là, il y a strictement rien. Là. Ça peut pas être ça, leur cheval. On peut passer par là? Ah oui, ah non. Et du bois. Ah tiens, on est lourd, ça faisait longtemps. On devrait trouver un hydra et utiliser le remède, parce que là le 5 il va, il commence à me gaver en fait. Le 5 de poids là, c'est relou. Très bien. C'est bon le poids? Non, pas fixé. Il m'en manque peu. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous? Bon, ça, je sais pas. Loge vide, là, je sais pas du tout. On peut faire la mission. On peut partir. On peut faire cette invasion de rats, à la limite. Je dirais. Il nous reste encore un peu de temps. Peut-être. Et on va mettre le. Le remettre directement dessus, je dirais. C'est surtout ça qui m'intéresse. C'est de me débarrasser du remède, en fait. Parce que maintenant, on sait comment le faire, c'est ça. C'est pas très dur non plus. C'est bon, quoi. Pas besoin de le garder, en fait. J'entends le cheval. Mais il n'y a pas de cheval. Alors, ça. Ça. Le brouet d'anguille, on en a besoin. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ah. Brochet à l'hydromel. L'hydromel, on a besoin ou pas? Non, on peut le faire. Du
du coup, vitesse de course. Très bien. Waouh, les ratops. Oh! Antiquité, bracelet en corail. Les couleurs vives de ce bracelet brillent à la lumière du soleil. Sympa. Personne ne veut parler? Non, personne. Alors après, est-ce que on va avoir tellement de rats? Est-ce que est-ce que c'est une bonne idée de faire ça, en fait? Peut-être pas une si bonne idée de faire le coin du rat ici. Peut-être qu'en fait, on devrait juste en trouver un qui est déjà fait. On balance le remède dessus et on se casse. Puis basta. Je pense qu'on va faire ça surtout. On va aller à Corsia. Ouais, je pense que c'est plus juste de faire ça. Cela, se taper encore des problèmes de poids, c'est bon quoi. Ça va. Là, ça commence un peu à gaver. Ça va faire une heure que j'arrête pas de parler de ça. On va juste partir. Critique et Dex, mais on n'a pas de d'équipement avec, avec ça. Ah, non, les gens qui utilisent de la deck, ils ont pas de slot. On n'a pas beaucoup d'armure avec des slots en fait. Toi, tu as des trucs. Oui, mais on va pas te mettre ça. C'est un, l'un quand même, c'est lourd. Hein. Deck, c'est critique. Moi, j'ai envie de te dire, je le mettrais bien sur toi. Hein. Comme ça, on s'en débarrasse. C'est combien à la vente? 35. Ouais, non, ouais. Ça prend de la place. Je suis désolé, mais ça prend de la place. Là, ça y est, on commence à être potable niveau poids. Non, c'est pas la couleur. Ça, du miel. Ça y est, ça recommence à être la merde niveau poids. Ok. On y va. On va retourner. On va faire ça. On va faire la petite mission qu'on a. Et on va partir. Et on va réanimer un rat sur le chemin. Après, je sais que là, il y avait les marécages. Là, c'était haut niveau, là, par contre. Donc ça, on verra plus tard. Ah, maintenant, on a pris cette quête. Faudra la faire aussi, quand même. Je sais pas trop. Je sais que déjà on va faire ça. Voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Celui-là, il est pas fait. Et que j'ai aussi vraiment envie de prendre un nouveau cheval. Ouais,
vraiment envie de prendre un nouveau cheval. Parce que la nourriture, c'est pas vraiment le problème. Si on enchaîne les missions comme ça, de temps en temps, genre 3-4 d'un coup, ça va. Puis les chevaux, faut pas les payer de toute façon. C'est juste la nourriture en fait. Mais comme j'ai dit, si on chasse un peu les sangliers et tout ça, honnêtement, ça passe. C'est juste que... Oui, faut entretenir tout ça quoi, à chaque fois. Faut faire des trucs. Pas rester croisé quoi. Pas rester les bras croisés à rien faire. C'est con, hein, c'est comme dans la vraie vie, merde. T'es pas le chef, c'est pour ça. Ah, mais tu fais des critiques à 100%, c'est ça? Oh, regardez ça. Oh là là. C'est pas mal, ça. C'est con que c'est pas parfait, parce qu'ils sont pas bloqués, rien, mais... non. Genre avec galvanisation, je pense qu'il les aurait tués. Ouais, c'est bon. C'est quoi ça? On en a déjà une comme ça. Oh yes! J'ai rattrapé avec la constitution. Pour le poids. Mine de fer. Ah, mine de fer, ça fait pas mal d'argent. Hein. Je vais encore me plaindre pour le poids. Hein. Mais c'est vrai que, aussi, taper des mines... J'ai rien dit. L'autre, ta copine, elle est partie apparemment. Mais elle t'a laissé en plan. Putain, ça me rappelle ma vie, quoi. La vache. Oh, oh. Pourquoi? Ah! Le rat, il a trouvé du fromage, putain. Ok. Ça marche. Il y a un poney qui est presque... Non, ouais, non, pas presque du tout. Toi. 100. 100 et tu porteras plus 5. Ça, c'est bien ça. Bon, on va peut-être encore attendre avant d'en prendre un nouveau. Apparemment, j'ai mis un piton là-dedans. Où ça? Là. Nickel. Où est-ce qu'on part maintenant? Ce que je suis en train de me dire.
Où est-ce qu'on peut aller? Parce que je suis un peu bloqué, l'autre, avec l'histoire. Ah oui, non, si, le brouet, là. D'anguille, faut le donner. Enfin, à la personne, je pense, qui est le marchand, là. Donc, ouais, on peut faire ça. Faire ça. Parfait. Bah ouais, je suis en train de me demander si on prend pas un autre cheval. Comme j'ai dit, hein, la nourriture, c'est pas très grave. L'argent, ouais, l'argent non plus. L'argent, c'est plus que si on en a beaucoup, enfin, si on doit en utiliser beaucoup, il faut juste faire des petites pauses de temps en temps. Tiens, on n'a qu'à le réanimer celui-là, Denis. Parce qu'après, du coup, il faudrait que j'aille en arrière, en fait. C'est que celui-là qui est sur ma route. Ça, on pourrait pêcher aussi. J'ai envie de partir, moi. Très bien. L'approvisionnement de draps au clan de Garusa. On peut faire ça aussi. J'avais parlé du fait que les trucs comme ça, en fait, apparemment, sont difficiles. Genre, c'est peut-être qu'il nous envoie ailleurs, en fait, dans une autre contrée. Donc ça m'intéresse. Par contre, c'est les draps. Je vais juste voir. Ah, mais oui, mais du coup, je vais me plaindre. Yes! Ça a pas compté. C'est la deuxième fois que je vois ça. Je crois que c'est une des rares chances. Hein. Dégâts d'attaque gratuité. Soupçon réduit de 15%. Chance de coup critique en attaque augmentée de 5. Prix des ventes des armes. Je sais pas. Mais ouais, non, c'est un objet volé, mais c'est juste que c'est. Il nous a pas été compté. Je pense que c'est une chance qu'on a, mais je sais pas où c'est. On prend le mouton ou pas? Bon. Bon, bah du coup, on la prend la quête. On va voir un peu ce que c'est. Alors, le clan Garusa, je connais pas du tout, demande des draps au prix fort. Vas-y, let's go. Bon, on est à 600. Oh, oh la vache! Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi c'est. D'accord. Ah ouais, non, là ça nous envoie. Oui. Ah oui! On peut faire ça et après aller à droite. On va faire de la pêche aussi. J'ai envie d'un peu d'avancer parce que un petit moment que là qu'on patauge un peu. Enfin, on patoche pas non plus, mais j'ai envie de voir du pays.
Alors là, donc il y avait un rat. Non, putain, c'est là le rat. Ah oui, c'est un des premiers qu'on avait fait. Bah du coup, je vais voir. Bon après, c'est du bas niveau, je pense pas que ce soit grave. Alors, appliquer la para. Vas-y. Ah, maintenant il y a un cercle. Ok, je vais voir notre poids. Ah, très bien. Oh merde, j'ai des plantes sur moi. Bon, bah c'est parfait. Bon, bah c'est l'heure de voyager. De voir du pays. Donne-moi ça et ça. Et on est trop lourd. Parce qu'on porte des draps. On va faire cuire des trucs, ça va nous baisser le poids. Bon bah du coup on fait du voyage. On reviendra un peu en arrière plus tard. Bon, quand on a l'occasion de prendre un poney en plus, on y va. Hein. Parce que là, ça devient un peu gavant en fait. Je veux garder ma vitesse en fait. Parce que c'est trop utile. Cette vitesse, genre là, on est baissé à 24%. On était à 48, je crois. C'est trop bien. Ah merde, attends, je vais pas au bon endroit là. Ah oui, on peut passer par là. On a deux passages en fait. Bah, on peut faire ça. Ouais, on peut faire ça. Pourquoi tu... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, non, là non. Oui, let's go. Lâchez-moi, je veux partir. C'est vraiment trop pratique en fait d'avoir cette vitesse bonus sur le chemin. Genre même les troupes, les gardes et tout ça, ils arrivent pas à nous rattraper. Même si on sprint pas. Et puis du coup, bah, on va plus vite, plus loin, etc. Moins besoin de se reposer et tout ça, quoi, hein, comme d'habitude. Donc ouais, non, ça vaut trop le coup, en fait. Donc c'est pour ça que je veux garder à tout prix le fait d'avoir d'utiliser tous les fers à cheval. Au prix même bah, de devoir prendre plus de chevaux, quoi. Danger 70%. What? Il y a quoi? Putain, c'est la forêt. Sûrement des trucs là. Bon, ben voilà. C'est mieux. Est-ce que j'ai mis les draps là-dedans? Oui, ça va. Oui, je sais, t'es très fort. Vieille mère qui disait que les mercenaires ne mangeaient jamais à sa faim. Ah, oui. Bruyant, relation avec les autres, non. Tiens, 5 et ça. Rassasié, gagnera le statut. Ouais, nettoyer, racler le fond de la gamelle. Oui, comme ça tu mangeras pas. Rassasié, du coup. Consommation de la nourriture de cette unité, prochain repos est réduit à 0. Parce que là, on va dans une nouvelle contrée. J'ai pas envie que le mec. J'ai pas envie que le mec gueule partout. Qu'on se fasse aggro de tous les côtés. Parce que déjà, je sais même pas si. Si niveau, on va y arriver. Allez, c'est parti. Là, c'est complètement nouveau. Hein. Oh merde, ça commence bien. Poste frontière d'Arag. Ah, c'est là, Arag. C'est pas genre une fin de zone, ça? Niveau 7, déjà, ça commence.
Professeur Hadwig, région de Hadwig, royaume d'Arag. Vous avez l'intention de vous rendre à Luderne? J'ai peut-être une mission pour vous. Il s'agirait de délivrer un innocent des griffes injustes qui le retiennent et tout pour une belle récompense. Ça vous intéresse? Ouais. Poudre d'Alazar de 10, pardon. Comme vous le savez, les gens originaires d'Alazar n'ont pas le droit de fouler le sol d'Arag. Malgré nos mises en garde, l'un de nos soldats a malencontreusement commis l'erreur de s'y rendre. Sa famille... Oh la vache, qu'est-ce que c'est loin. Sa famille entière s'inquiète et craint qu'il ne soit déjà mort. Cependant, nos informateurs nous ont redonné de l'espoir. Ils attendraient son jugement au tribunal de pierre. Amenez-nous cet homme. Le droit de passage applique dans les royaumes. J'espère que vous avez le droit de payer. Ah, on a un laissé-passer, ça tue. C'est qui, toi? J'attends que le marchand ait fini de prier. On m'a dit de me rendre au camp des traqueurs de Vertruse, mais je ne connais pas le chemin. Elle devrait pouvoir m'aider, n'est-ce pas? Oui. Auriez-vous la bonté de me laisser prier en paix? Je rends la ville Gerusa. La protection de l'œil sera pas de trop. Ah, nous aussi! Je sais pas si on devrait aller là-bas. Tiens, laissez passer. C'est en règle, vous pouvez passer. Merci. Oula! Je sens que la zone, c'est pas de notre niveau. Enfin, de toute façon, on s'était fait aggro par des ours qui étaient niveau... qui étaient niveau 8, hein. Oh, tiens, des poneys. Quand on parle de poneys. Ma mère est morte depuis 20 ans. J'ai vu la pestiférée la dévorer vive. Ouh, et voilà qu'aujourd'hui, mon père veut aller la secourir. Quoi? Dès que je détourne les yeux, il se rue sur son arc qui tente de fuir par la fenêtre. Il va me rendre aussi folle que lui. Ah. Oh. Genre, c'est devenu un monstre. Je dois trouver Bion. Elle mérite de reposer en paix. Bion est la plus grande traqueuse du monde et la meilleure... La meilleure personne sous le royaume. Pourquoi me laisserait-il pas venir en aide? Convaincre 2000 pour un collier à dents. Sinon, il faut récupérer la torque de Bion. Ouh, torque de Bion, j'ai l'impression que c'est un accessoire de ceinture. Donc j'imagine que, en fait, le mieux... C'est de faire ça, comme ça on peut garder la torque de Bion et le collier à dents. Bon bah du coup, ce sera pour plus tard. Ne sais pas défaire par mon beau-père, moitié sénile. Concentrez-vous plutôt sur une magnifique bête. Ah, des chevaux achetés. Bon bah déjà, lui il a constitution bonus. Donc déjà ça me va. Bénévole, solde réduite. Oui, mais il coûte pas cher déjà. Coopératif. C'est pas intéressant. Bon. Vu qu'on galère, il va nous falloir de l'argent. Oh putain. Qu'est-ce qu'on va en chier? Allez. Excellente idée. Maintenant, je vais faire ça parce que... 67. Bon ben voilà. Je crois que... Est-ce que j'ai exagéré ou pas? On est à 125. Ça va. C'est juste que ben, ça coûte cher en nourriture. Mais... J'ai fait une erreur ou pas? Il y a des fers à cheval à acheter aussi. Putain de merde. Je sens que je vais faire des pauses entre les vidéos. Genre je vais farmer. Tellement que je suis dans la merde.
Après, peut-être qu'on va se faire de l'argent ici. Je sais pas. Ok, alors ça. Ok, on a récupéré notre vitesse. On a récupéré notre vitesse. Non, mais sérieux, on a récupéré notre vitesse, on est à 750 sur 760. La blague. Genre la blague. On vient d'acheter un poney, quoi. Non, mais sérieux, sans déconner. Après, je sais que les sacoches, elles coûtent 1. Elles sont lourdes. Ça, c'est combien? C'est 0,5. Ouais, les sacoches sont lourdes aussi. J'avoue. J'avoue que les sacoches sont lourdes. Voilà. On va en garder 5. Aïe, 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 aïe. Bon, après, on a toujours... les draps, hein. Toujours les draps. Bon, on devrait peut-être faire une pause ici. Enfin, s'arrêter là, non? Oh la vache! Non, mais ça a l'air méga vénère ici. Ça, c'est les ours niveau 8, ça. Je crois. Bon, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Il est où mon nouveau cheval, là? On continuera la prochaine fois. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise chose d'avoir fait le cheval jusque ouais non en fait il faut juste qu'on récupère un peu d'argent parce que là on commence à être dans la merde et si bientôt on peut plus payer personne là on a quoi on a 484 je crois que c'est 440 donc on a une échéance et une deuxième si on vend quelques trucs. Mais ça va vite partir. Donc il faut se refaire de l'argent et vite. Mais je pense que là, cette zone peut être pas mal pour récupérer de l'argent. On verra ça. Continuons à la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao, ciao.